Deckard Cain is a kindly scholar who devoted his life to protecting the world of Sanctuary from demonic threats. Working alongside brave heroes, Deckard is a formidable force for good, thanks to his ancestral ties to the Herodrum. Now he is ready to study the Nexus and uncover its secrets. The Nexus? Interesting. Deckard is a setup healer who keeps enemies at bay with his ancient artifacts. Deckard's trait is Fortitude of the Faithful, which rewards him for staying close to his teammates. While near an ally, Deckard gains armor and his basic abilities recharge faster. The first of these basic abilities is Healing Potion. Deckard will throw out a potion, healing the first ally to come in contact with it. He can have up to 5 potions active at a time. Deckard's W ability releases the Herodric Cube, which deals damage to enemies in its range and briefly slows them. Herodric Cube is one of many tools Deckard can employ to control his enemies and set up his teammates. In this vein, Deckard can also use his Scroll of Sealing ability to unfurl a protective scroll that forms a triangle underneath enemies, damaging those inside and rooting them for a short time. Stay a while and listen. Stay a while and listen is Deckard's first heroic ability. He tells a riveting tale to enemy heroes in an arc in front of him, causing them to fall asleep. Though highly effective, Deckard's stories only sleep enemies once per cast. Deckard's second heroic ability is Lore-Nado. Deckard's many books and papers form a swirling vortex that travels in the target direction, constantly pushing away enemies that come in contact with it. Deckard Cain is a seasoned support to his allies with capable healing, debuffing of enemies, and strong area denial. Keep him close to his teammates in order to best leverage the cooldown reduction from Fortitude of the Faithful. Later on, the Ancient Blessings talent further boosts Deckard and his allies by allowing their basic attacks to deal area damage and heal them per hero hit. Additionally, Deckard's healing potential can benefit from setting up his healing potions ahead of time, so his allies can pick up multiple potions for burst healing. As for talents, Super Healing Potion increases the potion's healing amount if they are left on the ground. And the Bottomless Flask talent allows the potions to recharge after being used. Deckard can use the Herodric Cube to slow his enemies in order to trap them in range of his Scroll of Sealing. The Sapphire, Ruby, and Emerald talents enhance the Herodric Cube for different bonus effects. Each gem adds a new button above your ability bar. Activate this button to enable the gem on your next Herodric Cube cast, placing the gem on cooldown. The Perfect Gems talent reduces the cooldown for all gems, making the Herodric Cube an even more optimal defense. Deckard Cain has come to share his wisdom with other heroes and explore the mysteries of many realms. If you've stayed a while and listened, please leave us a comment or subscribe to Heroes of the Storm on YouTube. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler un petit peu du spotlight justement de Deckard Cain et mes impressions sur le perso. Déjà, on voit un skin intéressant, peut-être une chronique. Ça a l'air d'être surtout un Deckard Cain barbare, mais quand même avec le symbole des Aura Dream sur le front. Voilà, c'était pour le petit point skin. Après, maintenant, j'ai envie d'attaquer. Alors, pour commencer, il y aura 2 vidéos concernant Deckard Cain, en tout cas sur le spotlight. On va vraiment parler sur le kit du personnage, son rôle, ce qu'il va le faire, on va essayer de voir certains points. Par contre, tout ce qui est talent, on en parlera dans une autre vidéo vidéo de découverte qu'on avait faite en stream lors de la conférence de la PAX East. Du coup, toute la version talent, je la présenterai dans une autre vidéo. Ici, c'est vraiment le kit. Déjà, Deckard Cain, un personnage que la communauté Diablo attend depuis très longtemps. Blizzard continue à ne sortir que des persos attendus par la communauté, donc ça c'est super cool. Et au final, Deckard Cain, un support avec un kit assez intéressant, puisque c'est un kit qui ressemble beaucoup, on en parlait avec Evanescent un petit peu, ressemble beaucoup à une Lily,
3.0, j'ai presque envie de dire. Lily a été rework il n'y a pas très longtemps, mais c'est un kit qui ressemble beaucoup à Lily. Je m'explique, sa manière de soigner ressemble beaucoup à Lily, mais sans la version débile où en gros ça soigne le mec le plus bas en PV, sans te donner la liberté de pouvoir soigner celui que tu veux. Un kit assez utilitaire, un kit très utilitaire, pas de purification, ça faut pas l'oublier, parce que là on voit par exemple les points forts, donc le soin, sa zone on va dire d'effet, donc le zoning qu'il peut apporter avec son cube Oradric, le Z, et le saut, le E, et il peut debuff également. Bon, ça on verra que c'est plutôt une version de talent plutôt qu'autre chose, mais ça sera dans une autre vidéo du coup. Et ses faiblesses, c'est marqué mobilité et les silences. Les silences, forcément c'est un jeteur de sorts, enfin c'est un soigneur, s'il est silence il peut plus soigner, donc logique. Après, sa mobilité, n'oublions pas aussi que c'est un corps à corps. C'est un corps à corps, donc déjà il est très peu mobile, et c'est un corps à corps, donc ça peut être quand même assez compliqué pour des cartes Kayn, et on verra que justement il va falloir que dans cette même vidéo, j'essaye de voir un petit peu les points. Il y a juste une version talent que je veux voir, parce que là c'est au 20. Parce que je voulais voir juste un point, puisque après on va revoir le kit dans son ensemble, mais donc c'est un corps à corps, donc déjà ça c'est un problème. Et ouais, c'est, alors pas ici, sur Volskaya, je m'en rappelle, sur Volskaya on voit ses barres de PV. Et ce qu'on essaye de voir un petit peu, si le personnage est squishy ou pas, vu que c'est un corps à corps, forcément il est pas, il est quand même relativement... Enfin, c'est un corps à corps, donc la plupart des supports corps à corps sont quand même assez tanky. Je pense à Uther, bien sûr, qui est le plus tanky de tous les supports CAC. Ensuite, il y a Rhaegar et Karazim. Même Karazim et Rhaegar, d'ailleurs, je crois. Du coup, c'est un petit peu différent dans sa manière de faire. Mais alors là, on a un Muradin avec 4K PV. On voit qu'il est à peu près à 2005. C'est celle où il fait un petit heal à Zarya, c'est où? Parce que là, je crois que c'est vraiment là où il a le plus de barres de PV, donc ça doit être du late game. Donc c'est bon, j'ai retrouvé le moment. On est à peu près, à 3500, à peu près à 3500 PV, quelque chose comme ça. Donc au final, au niveau 20, 3500 PV, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc pour un support, c'est pas mal du tout. Donc le personnage, on va commencer par son passif. Le passif assez intéressant, puisque son passif, eh bien, ça permet en fait de récompenser le fait qu'il soit vers des alliés. Hein. C'est un peu tous les supports ne doivent pas, les supports ne doivent pas être solo, hein, rarement. C'est très rarement le cas. Du coup. Évidemment, quand il est à côté de ses alliés, il augmente son propre armure. Donc 10 d'armure avec autant de PV, c'est quand même intéressant. Hein, c'est une grosse value, évidemment. C'est en plus de ça, eh bien, sa capacité à pouvoir réduire les temps de recharge de ses propres compétences. Donc c'est quand même pas mal. Là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et à côté de ça, on va voir... On va voir justement le A. Alors le A, c'est une mécanique, c'est ça qui me fait vraiment penser à Lily. Parce qu'il pose une potion de soin au sol, une potion de soin au sol qui peut être ramassée et qui peut être récupérée ou qui peut être balancée directement sur un allié. Donc on imagine un peu le Carbot qu'il va avoir avec des cartes Kayn où il va lancer des potions de soin dans la tronche des mecs, ça peut être sympa. Mais en l'occurrence... Les potions, alors il y en a 5 qui peut poser en même temps, 5 potions de soins partout sur la map, elles restent indéfiniment, c'est juste qu'il n'y en a que 5 maximum. Il pourrait à ce moment-là, il pourrait vraiment révolutionner une manière de voir les choses, c'est-à-dire un support qui va, un petit peu comme un Lucio, c'est-à-dire qui va roam, partir un peu partout sur la carte, poser des packs de soins, les mecs les ramassent, enfin par exemple vous voyez votre soul laner, on pourrait poser des packs de soins pas loin de la fontaine, et s'il prend un mauvais trait... Il peut aller chercher une potion de soin sans que des cartes Kayn soient physiquement présents. Donc ça peut vraiment révolutionner la manière de faire en team. En solo queue, là aussi l'intérêt de cette potion, c'est que vous pouvez poser des potions pour soigner vos copains bien sûr, mais ça doit être un petit peu comme un piège de chromie, ça doit pouvoir marquer la zone. Ça va probablement être aussi servir de ward dans un fourré pour savoir s'il y a un ennemi qui se prépare. En solo queue, l'utilisation de la potion sera plus difficile parce que bon, forcément, vous mettez une potion dans un buisson... Il y a un de vos potes qui va faire « Oh, potion est pour moi !» Et du coup, bah, voilà, le mec va la prendre quand il n'y en a pas besoin ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu plus limité, forcément. Mais c'est intéressant. En termes stratégiques, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment une mécanique de heal à la Lily, mais beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus intelligent, qui est moins fermée. On peut faire beaucoup plus de choses avec. Et ça, j'aime vraiment beaucoup, sachant que à la base, je rappelle qu'en plus des cartes Kayn, ça respecte énormément le principe parce que c'est pas un magicien. Lui, au contraire, il utilise des objets, il utilise des artefacts. Et donc, c'est plutôt intéressant. Même s'il a de la mana, vous allez me dire, peut-être qu'il aurait fallu, du coup, ne pas mettre de mana. Mais
À côté de ça, on va voir, mais l'autre compétence, donc le soin, vous pouvez le balancer directement sur l'allié, comme vous le voyez ici, ce qui permet de potentiellement mettre beaucoup de burst heal. Hein. Comme vous le voyez là, on met les 5 soins au même endroit, hop, il y a quelqu'un qui l'attrape, ça marche très bien, donc là-dessus c'est cool. À côté de ça, on a le cube Boradric, on notera aussi bien sûr les dédicaces à... Enfin, voilà, on honore le personnage hein, de Diablo. L'air d'effet m'a l'air plutôt grosse quand même, hein. Donc un slow de zone qui fait quand même des dégâts. Alors il faut savoir que le Z fait des dégâts, on a regardé un petit peu, ça fait des dégâts aux ennemis, donc ça fait des dégâts aux sbires, pas que aux héros, donc ça c'est super important. Et du coup c'est quand même un slow intéressant, slow 30% qui dure, il dit pas le temps, mais je crois que c'est 1,75, quelque chose comme ça, ça dure assez longtemps mine de rien. Je crois que c'est 2 secondes à peu près 2 secondes, je me rappelle plus de tête, et c'est plutôt pas mal. À côté de ça, le E qui m'a l'air beaucoup plus dur à mettre, le Z m'a l'air assez simple à mettre, l'air d'effet a l'air grande, ça part assez vite, le E lui a l'air beaucoup plus délicat, c'est un route d'une 75 secondes, il me semble que c'est peut-être lui une route d'une 75 secondes, alors que l'autre c'est 30% pendant 2,5, je crois un truc comme ça, et du coup, le route... qui a l'air quand même assez dur à mettre, on voit le temps que la page tourne et que ça arrive et que ça fasse le triangle, ça a l'air un peu technique à lancer, mais ça fait des gros dégâts mine de rien, hein. c'est plutôt pas mal, et du coup, enfin des gros dégâts pour un support, attention, hein, pour un support. Donc, et pareil, ça marche sur tous les ennemis, donc ça peut marcher aussi sur les sbires, donc le cube plus le triangle fonctionne très bien sur les sbires, là-dessus c'est plutôt pas mal, et en termes de zone de contrôle, évidemment l'idée ce sera de balancer le cube Boradric d'abord pour slow le gars, enfin... L'idée c'est de commencer le triangle, vous mettez le cube derrière pour slow, et à ce moment-là le triangle se conclura et boum, ça mettra un route. Il y a déjà ce principe de combo qui va émerger. Honnêtement, le slow plus route est quand même pas mal. Sachant que le personnage n'a pas de mobilité réelle, donc pour se pile, pour se protéger, il a besoin que de ce Z et de ce E en fait. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. L'ultime, alors là. Respect évidemment Blizzard, parce que c'est des concepts qu'on avait beaucoup vu, notamment Evanescence l'avait fait dans le Concept of the Storm, mais c'est très souvent voilà, l'idée que le petit Descartes Kane endorme les joueurs, parce que pendant très longtemps les joueurs de Diablo, je rappelle que Descartes Kane il a bercé pendant 20 ans les joueurs de Diablo, dans Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, le prochain Diablo n'aura probablement pas Descartes Kane dedans, et c'est quand même assez incroyable. Pour ceux qui veulent connaître plus Descartes Kane, bien entendu je vous invite à aller voir les vidéos d'histoire d'un héros sur Diablo, il sera présent dans quasiment toutes les vidéos puisqu'il a beaucoup d'importance, mais en l'occurrence un slip de zone, donc c'est très fort en compétitif. En compétitif, slip de zone, c'est très 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 fort. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus... Enfin, un plus bas elo, hein, je pense bronze, mais même en diamant. Hein. Honnêtement, quand vous allez mettre un slip de zone, il est possible que vos alliés réveillent les types. Alors qu'un slip de zone, tu peux pendant ce temps profiter pour buter un seul mec. Enfin, c'est vraiment super intéressant. 60 secondes de CD, donc c'est plutôt court. C'est plutôt court, 60 secondes de CD. C'est intéressant, la durée. Il y a une petite canalisation avant le lancement, mais elle est quand même... C'est un slip qui dure quand même pas mal. Hein. Donc, plutôt intéressant. L'autre ultime, donc là on l'a vu, donc un slip de zone, moi je trouve ça très très fort, hein. Un slip de zone c'est un gros caleçon au final, donc c'est quand même pas mal, et là comme on le voit, voilà, le Zul'jin complètement teubé qui tape le Ticus et qui le réveille, et à côté de ça, c'est la tornade du boss, non, c'est vrai que ça ressemble vachement à la tornade du boss mais en plus gros, donc il bump l'adversaire, donc en rôle de zoning c'est pas mal, 30 secondes de CD, donc c'est un ultime qu'on va pouvoir utiliser bien plus souvent pour zoner, donc il y a vraiment, voilà, si jamais... Vous avez des problèmes avec les slips parce que vos alliés les réveillent tout le monde. C'est vrai que la tornade peut servir de bon changement, sachant que la tornade, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, pour les boss, pour le zoning que ça va offrir, c'est plutôt pas mal. On ne sait pas encore si on peut contrôler la tornade ou si c'est aléatoire. Là-dessus, je ne me rappelle plus si ça avait été précisé, mais c'est un petit peu. L'idéal ce serait qu'on puisse la diriger, mais je pense que ça va être en aléatoire, faudra juste pointer vers la direction et ensuite ça bouge dans cette direction très probablement, parce qu'on la voit jamais se réorienter, donc je pense pas.
Mais le personnage est plutôt cool, je rappelle le passif, donc 10 d'armure et 50% de vitesse de rechargement de ses sorts quand il est près d'un allié. Bah, c'est vrai que pour le A, alors le A au passage, la fiole de soin a un CD relativement court, je crois que c'est 3 secondes de CD, ça coûte très peu de mana. Par contre, le W et le E, donc le Z et le E, eux ont des CD beaucoup plus longs, puisque le Z c'est 14 et le E c'est 16 secondes, quelque chose comme ça, donc c'est beaucoup plus long. Et le passif réduit les temps de recharge des compétences de base, hein, bien entendu, pas des ultimes. Les ultimes ont déjà des temps de recharge relativement court, donc c'est plutôt intéressant pour les versions talent. Je le rappelle, on fera ça dans une autre vidéo, mais c'est plutôt sympathique. Le kit est pas fou en fait, dans le point de vue du développeur, le kit est pas dingue. Un heal qu'on pose, qu'on ramasse à terre, c'est quelque chose de vu sur beaucoup de MOBA. Un slow de zone, un route de zone. Après, c'est la réalisation qui est plus intéressante. Un cube, un triangle, on voit vraiment le côté chercheur, le côté savant, puisque c'est vraiment là, ça fait très géométrie au final. Hein, un carré, un triangle, un cercle au final, puisqu'il balance une potion, donc c'est un cercle que tu dois aller chercher. Donc, c'est plutôt intéressant sa manière de faire. Après, soyons réalistes, je ferai une petite conclusion là-dessus dans la deuxième vidéo. Descartes Kane a des excellents talents, on y reviendra dans la deuxième vidéo. Le truc, c'est qu'il est très peu mobile, la sustain qu'il peut avoir, bah, ça veut dire qu'elle n'est pas pour les alliés, il est obligé de se la mettre sur lui-même, il n'y a pas de véritable soin de zone. À côté de ça, ses ultimes, c'est vraiment de l'utilitaire. C'est vraiment un support très utilitaire. Et on verra qu'il n'a pas de purif non plus, donc c'est un petit problème. Descartes Kane semble intéressant, semble très fort sur certains aspects, mais aussi très faible sur d'autres. Donc je vous invite bien entendu à vous rappeler que Stukov, Alexstrasza ou Anna, les derniers supports en date, ont des kits. Mais enfin, je rappelle, Anna, sur le papier, elle avait un kit complètement pété hein, sur le papier. Hein. Et au final, Anna, on ne l'a pas vu tant que ça en compétition. Alexstrasza, on ne la voit pas tant que ça en compétition. Stukov, on commence à le voir en compétition, mais il a mis du temps avant d'arriver le pépère. Hein. Donc c'est un personnage, je pense, qui mettra un petit peu... Faudra vraiment voir, mais attention à pas trop vous emballer en disant c'est OP ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'il a des choses très intéressantes à faire. C'est pas le personnage que j'attendais le plus, honnêtement. Je suis pas déçu non plus de l'arrivée de Descartes Kane. Je m'en doutais qu'à un moment donné, il allait arriver. Comme quand Deathwing sortira, moi, je serais pas hypé, mais je m'y attendais. Mais voilà, pour le moment, Descartes Kane, moi, je m'attendais à un Bélial. J'étais beaucoup plus hypé par un Bélial. Donc je suis pas déçu parce que le personnage est cool, il a un kit très sympa, la réalisation du kit est très sympa, le personnage quand même c'est un personnage hommage, surtout que les développeurs ont dit qu'il y aurait énormément d'easter eggs et de dialogues avec les autres personnages du Nexus, probablement ceux de Diablo mais même d'autres, donc clairement Descartes Kane c'est un personnage qui est cool. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, je m'attendais à peut-être d'autres choses. Au passage j'en profite aussi pendant le spotlight puisque... j'ai fait un stream sur la PAX. L'autre grosse annonce de la PAX East, c'est qu'il y aura ils vont enrichir l'histoire propre à Heroes of the Storm. Et notamment une nouvelle BD qui va sortir concernant Heroes of the Storm par rapport aux différents annonceurs, les grands seigneurs en fait, des différents royaumes du Nexus par exemple. Et bien le premier, ce sera le Ravenlord, donc le seigneur corbeau que vous voyez sur Valmody et Tour du Destin notamment. Donc voilà, ce personnage-là, qui ont des pouvoirs à peu près dignes de demi-dieux presque, ils ont un pouvoir quasiment semi-divin, voilà, il commence à vraiment... Il y avait déjà un lore dans le Nexus, je comptais le faire plus tard quand j'aurais déjà fini tout concernant les différents univers, mais voilà, j'en fais un petit point puisque ce spotlight vient de la PAX East, j'en profite pour faire un petit résumé pour la PAX East. Donc peut-être qu'il y aura des événements en fait au fur et à mesure de l'année pour fêter par exemple peut-être des skins relatifs au corbeau, des skins relatifs à Blackheart Bay, aux pirates, etc. Petit à petit, un peu plus de... Se propulser vers cet univers-là et enrichir le lore d'Heroes of the Storm. Ne pas faire juste, voilà, on ramène tous les différents univers, il y avait déjà un petit peu d'histoire et on veut la mettre un peu plus en avant, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Mais du coup, à Descartes Kane, un kit intéressant, un nouveau support, je m'attendais pas à un support, on a eu beaucoup de supports dernièrement, donc je m'attendais pas à un support, mais c'est cool, on enrichit le cast, pourquoi pas, le casting est enrichi en termes de support. À l'heure actuelle, on est dans une méta où il n'y a quasiment que 4 supports compétitifs, hein, Stukov, Malfurion, Uther et Rhaegar. On va dire Karazim Lucio qui veille derrière, mais c'est pas encore ça. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans une méta qui favorise énormément les supes. Donc Descartes Kane, est-ce qu'il pourra trouver sa place? À l'heure actuelle, on verra dans les talents, enfin dans la vidéo des talents, mais moi je me pose vraiment la question parce que
il pourrait être un peu boudé, hein, il pourrait être un petit peu boudé par les joueurs, puisqu'il n'a pas forcément tout ce qu'on demande à des supports actuellement. Donc on verra. Après, Descartes Kane est quand même très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions concernant Descartes Kane. Est-ce que le personnage vous plaît? Est-ce que vous attendiez autre chose du perso? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner, bien sûr. Concernant le perso, je vous invite, bien sûr, si vous voulez découvrir son histoire, à aller voir l'histoire d'un héros sur Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3, bien entendu, dans la partie histoire d'un héros. Et voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout sera dans la description. Les listes de talents, la vidéo des talents sera à côté, donc je vous laisserai bien sûr aller la voir pour avoir tout le descriptif des talents, etc. Et donnez-moi bien sûr vos impressions, voilà, c'est super important. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes hypé du perso? Est-ce que pas du tout? N'hésitez pas à me dire ça. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. On se retrouve pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus.